Le Cap Sikiring est situé très proche de la frontière avec la Guinée-Bissau, une situation géographique qui impacte douloureusement dans le travail des pêcheurs qui peuvent facilement se retrouver de l'autre côté et subir les conséquences. C'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles nous interpellons le chef de l'État pour qu'il prête une attention toute particulière à ces Sénégalais qui interviennent dans la corporation et dans cette zone frontalière. Le pêcheur, on le sait, est motivé dans son activité par le poisson. Il est attiré par les zones poissonneuses et peut facilement se retrouver dans une zone étrangère. Comme la Guinée-Bissau offre des licences autorisant la pêche dans leurs eaux, que l'État du Sénégal fasse la médiation nécessaire pour faciliter le travail des pêcheurs qui peuvent se retrouver dans une situation inconfortable. Le problème de la frontière doit mériter une intervention urgente des autorités en charge du secteur pour permettre les acteurs du secteur d'être tranquilles dans leur activité de pêche. C'est un cri de cœur, une interpellation à l'endroit de nos autorités. D'ici là, 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 d'ici là